Je suis gérant d'un magasin Biocoop, donc gérant chef d'entreprise d'un magasin que j'ai monté il y a 3 ans. Biocoop, c'est une coopérative d'indépendants qui est là depuis 30 ans. Et à ce titre, je suis responsable de magasin d'un commerce de proximité alimentaire. On a tendance à dire chez Biocoop qu'on veut développer le bio, la bio, et à ce titre, on dit qu'un mètre carré de magasin est égal à 1 hectare de surface bio cultivable. Les conditions de travail, c'est un magasin physique, donc forcément il y a une part de sédentarité. On va ici mettre des produits en rayon, on va réceptionner, on va faire des commandes. Donc évidemment, le lieu, c'est le magasin physique. Après, on peut faire plein d'autres choses et notamment, il y a dans le volet de gestion de magasin, il y a l'accompagnement, le management de l'équipe. Il y a aussi la relation client, évidemment, qui est une priorité pour nous. On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de bien-être. Et après, c'est un poste qu'on peut transformer à l'envi et on peut notamment aller sortir du magasin et aller voir les producteurs locaux. En ce moment, je suis en train de travailler sur des projets informatiques pour justement mutualiser la force de la production locale. Un poste en fait qu'on peut transformer à l'envi selon l'énergie qu'on a et la volonté qu'on a de développer le bio. Compétences de chef d'entreprise, puisque je suis gérant du magasin, il faut donc maîtriser les outils de gestion, les outils informatiques pour pérenniser l'entreprise et les emplois qui y sont liés. Compétences de réactivité, il y a quand même beaucoup d'aléas sur un magasin physique, donc il faut savoir y répondre dans un temps court. Compétences également de pédagogie peut-être, puisque j'aime bien emmener les équipes avec moi et donc il y a des managements participatifs qu'on essaie de développer ici avec nos salariés, avec aussi, c'est pas des managements pour le coup, mais c'est de la communication avec nos clients pour développer des projets participatifs ensemble. Ma formation, elle est assez courte. J'ai étudié en fac de droit et d'économie ici à Talence. J'ai bossé très rapidement en grande distribution, donc je me suis formé également beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, il y a un peu une rupture dans ma vie d'avant, puisque j'ai appris le commerce dans la grande distribution. Et aujourd'hui, on est sur un commerce de proximité qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai pu connaître par le passé. Si j'avais un conseil à vous donner sur votre formation pour devenir gérant d'un magasin Biocoop, ou en tout cas être dans un magasin Biocoop, une approche commerciale et ou marketing dans une école de commerce ou un BTS ou une licence, c'est très bien, avec un accompagnement terrain nécessaire pour acquérir la connaissance du produit et du magasin. L'intérêt de mon métier, il est de participer à un énorme projet collectif. Alors projet collectif qu'on connaît un peu tous maintenant avec les médias et ce qu'on connaît de l'urgence climatique, mais un projet collectif surtout humain, de proximité avec mon équipe, avec les clients du magasin, avec toute cette dynamique qu'on est en train de créer ici localement et ailleurs avec d'autres Biocoop. L'énergie que j'ai chaque jour pour me lever le matin, elle est liée au projet qu'on peut développer autour d'une terre plus respectueuse et plus bio, avec plein de rencontres et de gens qui vont créer une belle énergie. Et du coup, avec des valeurs communes, des valeurs humaines, des valeurs de transparence, de coopération, on arrive à faire plein de choses.